Les constellations sont des émetteurs d'énergie cosmique spécifique. Notre système solaire est pourvu de centres d'énergie qui sont les récepteurs et les émetteurs des énergies cosmiques, tout comme les chakras. Les centres énergétiques de notre système solaire transmettent l'énergie qu'ils ont reçue au système solaire dans son ensemble. Ces centres sont le Soleil et les planètes. Chaque constellation fonctionne à travers une ou plusieurs planètes ou centres. Chaque constellation a une planète ou un émetteur exotérique et ésotérique que nous appelons les régents. Les énergies exotériques influencent la personnalité lunaire, le petit moi. Les énergies ésotériques influencent la personnalité solaire, le grand moi ou le moi intérieur. Chaque mois, une nouvelle énergie est transmise avec la qualité de la constellation active. La qualité d'énergie de chaque constellation est transmise selon un cycle mensuel. Au moment de la pleine lune, la transmission est à son zénith. La méditation au moment de la pleine lune nous permet, en tant que groupe, de réceptionner et de transmettre ces énergies spécifiques à tous les terriens. La constellation du Bélier. Les notes clés du Bélier sont création, être, activité, synthèse, conflit. C'est un signe de feu. L'influence des énergies Bélier nous aide à apprendre la juste utilisation du mental, à nous libérer de l'emprise émotionnelle, à une créativité intelligente pour le bien de l'humanité, à devenir conscient des effets de nos actes et ainsi à devenir responsable de nos actions. Les régents exotériques et ésotériques. Le régent exotérique du Bélier est la planète Mars. Sa phrase clé, que la forme soit à nouveau cherchée. Nous ressentons l'influence de la planète exotérique Mars comme l'immaturité et l'impétuosité d'un adolescent, un ardent désir pour le matériel, l'ignorance, l'impulsivité, l'irréflexion, la précipitation, l'anxiété, la fragilité, l'agressivité, l'inflexibilité, l'entêtement, la provocation, le nombrilisme, l'égocentrisme, l'égoïsme. Le moi inférieur veut le pouvoir, le contrôle, les conflits et la guerre. Il incite au fanatisme, à la lutte, à la compétition, au combat, à la dualité. Le régent ésotérique du Bélier est la planète Mercure. Sa phrase clé, j'avance et je régis du plan mental. Nous ressentons l'influence de la planète ésotérique Mercure comme une ouverture à un idéal matériel ou spirituel, par la dissipation progressive de l'illusion, la purification et clarification du mental, la transmutation du désir en aspiration d'équilibre harmonieux, à apprendre à diriger sa vie d'une manière réfléchie et responsable, à exprimer la volonté d'être et de faire et d'avancer avec audace dans la vie, à développer le pouvoir de manifester par les formes pensées, à arriver à une harmonie intérieure par l'effort et la discipline.
Comment cela nous affecte et affecte l'humanité dans son ensemble? En observant le monde d'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une tentative d'appliquer les lois et les restrictions dans le but de protéger la société contre le chaos et l'anarchie supposée. Les qualités inférieures du Bélier, par le biais de son régent exotérique Mars, auront tendance à augmenter l'usage de la force et à exprimer des répressions sur ceux qui ont des points de vue opposés. Aussi, ces mêmes actions auront tendance à créer une vague de réactions intenses accompagnées de fanatisme, de destruction et de lutte. D'un autre côté, les énergies du Bélier transmises par son régent ésotérique Mercure nous offrent une alternative. Dans la mythologie grecque, Mercure, messager des dieux, pouvait vivre et se déplacer facilement entre le monde des hommes et le monde des dieux. De la même manière, nous pouvons maintenant entrer dans notre monde intérieur et concevoir des principes et valeurs morales bénéfiques pour l'humanité et tous les terriens. En outre, Mercure nous fournira l'aide nécessaire afin de communiquer les principes et valeurs morales aux autres, créant ainsi un réseau d'unité. Le pouvoir du Bélier nous maintiendra fermement dans notre position pour soutenir ces principes et valeurs qui représentent l'avenir des hommes et dissipera à terme l'illusion de séparation et de haine. Expérimentons, réceptionnons et transmettons les énergies transmises par Mercure à tous les terriens à travers la méditation de groupe. Commencez par observer votre respiration. Et amenez petit à petit votre attention à être focalisée au centre silencieux en vous. À partir de ce centre silencieux, observez votre activité physique dans l'instant. Observez-la sans jugement. Prenez simplement note de ce qui est, sans vouloir changer quoi que ce soit. Et réalisez que dans ce centre silencieux, vous êtes complètement détaché de votre activité physique. À partir du centre silencieux, observez maintenant votre activité émotionnelle, qu'elle soit connotée positive ou négative. Observez cette activité
sans aucun jugement. Prenez simplement note de ce qui est. Et réalisez que peu importe cette activité émotionnelle, vous êtes dans ce centre silencieux, complètement détaché de cette activité. Dans ce centre silencieux, vous observez l'activité de votre mental. Observez les images, les pensées, comme vous observez un film, sans jugement, sans vouloir intervenir. Prenez simplement note de ce qui est. Et à partir de ce centre silencieux, vous êtes complètement détaché de l'activité de votre mental. Dans cet endroit de silence, il y a bien-être, paix, sérénité, vitalité, silence et clairvoyance. Retirez votre attention maintenant vers le centre du cœur qui se trouve à environ 7 cm derrière la colonne vertébrale entre les omoplates. Vous pouvez visualiser ce centre du cœur comme un lotus ouvert et dans son centre, cette lumière bleue, blanche. Placez votre attention au centre. Devenez cette lumière bleue-blanche. Respirez cette lumière. Et réalisez qu'en respirant cette lumière, vous devenez la lumière. La lumière du cœur. Et en tant que cette énergie du cœur, nous nous connectons à toutes les personnes méditant en ce moment de pleine lune, de cœur à cœur. Créant ainsi une seule énergie de cœur, cœur de groupe. À partir du cœur de groupe, nous plaçons maintenant notre attention
au niveau du centre de notre tête, où nous découvrons une lumière blanche. Et nous plaçons notre attention au centre de cette lumière blanche, la devenant, réalisant que c'est la lumière de la conscience que l'âme a déjà pu intégrer en nous, illuminant notre mental. Et nous pouvons observer ce canal lumineux qui relie notre mental illuminé à la conscience de l'âme que nous pouvons visualiser juste au-dessus de nous, comme une lumière étincelante. Ressentez comment vous êtes aspiré vers le centre de l'âme. Comment vous fusionnez petit à petit avec l'âme. Devenez âme. Et en tant que cette âme, visualisez l'état d'être d'âme de toutes les personnes méditant en ce moment de la pleine lune. Et observez comment nous fusionnons en une seule âme. Une seule âme de groupe. Ainsi, nous sommes connectés de cœur à cœur, de âme à âme, à toutes les personnes méditant en ce moment. En tant que ce groupe d'âmes, nous disons ensemble le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Et au-dessus de nous, nous pouvons apercevoir cette lumière, cette énergie subtile qui nous parvient des êtres avancés, des êtres lumineux. Et nous nous sentons aspirés par cette lumière. Nous nous sentons accueillis par elle, par ces êtres. Et nous fusionnons
en une seule entité, en une seule vibration. Et ensemble, nous nous élevons davantage vers ce point de réception des énergies de la constellation du Bélier, le point que nous appelons Shambhala. Ensemble, nous focalisons sur ce point. Ensemble, nous réceptionnons, nous vivons, nous vibrons l'énergie qui nous est transmise à travers la planète ésotérique, Mercure. Mercure qui nous amène un mental pur, lumineux, ouvert au nouveau, qui voit au-delà des voiles, des croyances, des certitudes, des habitudes. Et dans ces énergies de Mercure, nous posons la phrase « J'avance et je régis du plan mental. » Et nous nous connectons aux énergies qui sont à l'origine de cette phrase. Ces énergies qui sont transmises par la constellation du Bélier à travers la planète ésotérique, Mercure. Nous réceptionnons cela dans un silence absolu.
Le Om universel résonne. Et sa vibration transporte les énergies reçues à travers Shambhala vers les êtres lumineux, vers les âmes méditantes que nous sommes. Et nous réceptionnons cela, nous vivons cela, comme les principes et les valeurs morales bénéfiques pour l'humanité et tous les terriens. En tant que groupe d'âmes de méditants, nous énonçons ensemble l'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et nous énonçons ensemble en tant qu'âme un Om intérieur. Nous revenons à notre conscience d'âme individuelle. Conscient que le Om continue à distribuer ses énergies perçues à travers nous, à travers notre être, afin qu'elles puissent être distribuées à toute l'humanité, à tous les terriens. Et nous accompagnons cela en énonçant ensemble la grande invocation. Point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu.
que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Et nous énonçons ensemble trois ohms afin d'accompagner ces énergies, cette distribution. Orientez vos sens maintenant à nouveau vers l'extérieur. Et reprenez conscience d'être dans le ici et maintenant. Observez à nouveau votre respiration. Prenez quelques respirations profondes. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.